Lamarche, vous êtes coordonnatrice à l'APE ici à Donnacona. Pouvez-vous nous expliquer un peu qu'est-ce que l'APE? L'APE, Service d'aide à l'emploi, c'est un organisme d'employabilité qui existe depuis 35 ans. On a 4 succursales, le siège social, puis qui est aussi le plus ancien point de service, c'est à Québec, sur la rue Bouvier. Donc, on avait commencé à l'époque avec un service, un programme préparatoire à l'emploi qui était destiné aux femmes qui vivaient des situations liées à la délinquance. Ce service-là est toujours bien en vie. Et on a évolué et on a agrandi, je dirais, là, notre fourchette de services à offrir à la clientèle. Ce qui fait que maintenant, on est rendu avec 4 succursales, dont une ici à Portneuf, une à Lévis et une sur la côte de Beaupré, en plus de celle de Bouvier. Et on a environ, je dirais, 22 services, 22 programmes là, qu'on peut offrir là, à la clientèle. Et ici, à Portneuf, on a 5 services là, qu'on peut offrir à notre clientèle. Quels sont ces services-là? Bon, on a un service d'aide à l'emploi, qui est un service spécialisé. En fait, ce service-là se fait en individuel. On peut faire quelques activités de groupe. Puis on aide les gens, dans le fond, à faire un bilan personnel et professionnel, travailler sur leurs difficultés d'intégration et de maintien en emploi. On travaille aussi, évidemment, toutes les techniques de recherche d'emploi. On va aussi voir la recherche d'emploi en tant que telle et on offre un maintien en emploi pendant quelques mois, c'est-à-dire au moment où la personne se trouve un emploi. Mais à ce moment-là, on continue de la suivre pour s'assurer là, que ça va bien et qu'elle ne perde pas son emploi. Donc, on vise le maintien. On a un service qui s'appelle Choix de carrière. Alors ça, ce sont des gens qui font une démarche d'orientation pure. Donc, c'est un 3 à 5 rencontres où vraiment la personne va travailler à cibler des nouveaux choix professionnels qui peuvent amener à réintégrer directement le marché du travail. Mais je vous dirais que sur ce service-là, il y a beaucoup, beaucoup de retours aux études. C'est la plus grande tangente. Là. Les gens vont faire des choix là, pour retourner aux études. On a un service qui s'appelle le SAP. Le SAP, c'est un service qui permet aux gens de travailler pour un maximum de 2 ans sur les difficultés d'intégration, de maintien en emploi. Pour aller sur ce service-là, c'est que la personne, elle est un petit peu désorganisée dans ses différentes sphères de vie. Elle a besoin de travailler à la recherche de ressources à différents niveaux qui vont l'aider justement là, à réorganiser là où c'est difficile. Donc, l'intervenant ici de l'APE devient ce que j'appelle un intervenant pivot. C'est qu'il va travailler avec la personne sur différents sujets, différents thèmes, mais il va aider aussi la personne à trouver les ressources dans le réseau pour avoir des intervenants qui vont l'aider à travailler sur ce qui est plus difficile. Parce que, tu sais, si on dit on l'envoie tout de suite la personne en emploi, les difficultés autres dans la vie sont tellement importantes qu'il n'y aura pas de maintien. Il n'y aura aucun maintien. Alors, c'est un service qui est de plus longue durée, qui se fait en individuel. On fait à l'occasion quelques activités de groupe, mais très peu. C'est vraiment qu'on travaille en collaboration avec l'individu et les ressources du milieu pour réorganiser la personne. Je suis venue chercher de l'aide à l'APE pour une réorganisation de carrière. Puis ça m'a amené à faire un PPE, le programme préparatoire à l'emploi. C'est un groupe de femmes qui se rencontrent, puis on participe à des ateliers de confiance en soi puis sur le marché du travail. Moi, ce que je dis du PPE, c'est génial parce que au-delà, maintenant que j'ai un travail, sur le côté humain, ça m'a apporté beaucoup. Parce que des fois, on pense à être seul dans des problèmes, des fois de gêne ou de manque de confiance. Ça met beaucoup de barrières, des fois, avoir justement des emplois. Fait qu'en tout cas, un petit coup de pouce, là, PPE, c'est super. Et qu'est-ce qui distingue l'APE des autres services d'aide à l'emploi qui existent dans la MRC de Portneuf et à Québec également? Bien, dans un premier temps, puis tu sais, je ne vous ai même pas parlé de tous les services qu'on a, là, c'est qu'on s'adresse à une clientèle adulte 18 ans et plus. Je vous dirais qu'on a un large spectre au niveau de la clientèle. Mais ce qui nous qualifie le plus, ce qui met notre couleur ici à Portneuf, c'est qu'on s'adresse à des gens qui sont un peu plus éloignés du marché du travail.
pas les gens qui sont proches, qui n'ont pas de difficultés, tout ça. C'est rare. C'est pas ceux-là qu'on reçoit le plus. On peut en recevoir un petit peu, mais pas beaucoup. C'est vraiment les gens qui sont éloignés plus du marché du travail, qui ont eu des difficultés de maintien, qui ont vécu des choses pas faciles en emploi, qui peuvent avoir été victimes de harcèlement, qui n'arrivent pas à faire du maintien. Il y a des fois que ça vient d'eux autres qui ont des difficultés, que ça passe pas en emploi, puis que les employeurs les gardent pas. Mais des fois aussi, ils ont vécu des choses que c'était pas toujours le milieu de travail qui était correct, là. Alors ça, ça marque aussi. Et on travaille toutes ces sphères-là avec l'individu. Donc notre objectif, c'est d'aider la personne à cibler des choix d'orientation, oui, à intégrer le marché du travail, oui, mais aussi à s'y maintenir. Pour nous, le maintien est aussi important que la détermination du choix et que de trouver un emploi. On essaie d'amener les personnes à faire le match le plus idéal possible. Donc, la profession qui leur convient, mais aussi le milieu de travail qui va leur correspondre et qui va être en mesure aussi de les accueillir adéquatement et de les faire évoluer. Parce que même si c'est quelqu'un qui part avec un petit peu plus de difficultés, c'est d'excellents travailleurs et travailleuses qu'on reçoit. C'est des gens qui, une fois qu'on les intègre correctement, ils vont durer longtemps dans l'entreprise. Donc, ça vaut la peine de mettre le temps et l'énergie qu'il faut. Ça fait de très bons travailleurs. Et nous, on s'assure de ça avec toutes nos activités de maintien en emploi. C'est ça. Comme j'ai dit, je passais à venir chercher un travail, puis j'ai été agréablement surpris parce que ça m'a porté beaucoup sur le plan humain. J'ai acquis de la confiance en moi, puis ça a duré 14 semaines. Puis après, j'ai poursuivi avec le programme démarchage avec Mélissa. Elle m'a accompagnée en emploi pendant 4 mois, comme disait Mathieu tantôt. Je suis manœuvre à temps plein chez HTM Composite. C'est un métier non traditionnel que je pensais jamais faire. Puis franchement, là, c'est un beau défi. Je suis vraiment contente. Parce que j'avais pas de confiance en moi, là. Pas capable de parler. Je pense que j'avais la chance de rentrer en dessous d'une table, je l'aurais faite. Fait que c'est quelque chose là, d'avoir fait ça, là. Ça vraiment là. C'est très aidant. J'espère que ça va continuer les programmes. Parce que je trouvais ça dommage parce que tout est à Québec, puis nous, on n'a pas beaucoup de choses dans le coin. Fait que c'est super. Et les gens qui viennent vous voir, ce sont des travailleurs, travailleuses de 18 ans et plus. Qu'est-ce qu'ils retiennent de leur passage chez vous? Bien, ce qu'ils retiennent, c'est l'encadrement, c'est la souplesse, souvent, au niveau de la formule, c'est le dévouement de l'équipe, des gens qui sont là. Donc, on va les aider. On se rend dans les milieux de travail quand on est rendu à faire du maintien en emploi. C'est pas juste dans le bureau. On essaie d'avoir la collaboration du milieu de travail. Donc, on n'abandonne pas notre client. On est là tout au long. On va le rencontrer dans son milieu de travail, voir comment ça va. Ils peuvent nous appeler continuellement pour être en mesure là, d'avoir des conseils. Puis aussi, dans le maintien, dans le soutien, une fois que toute la démarche est terminée, ils sont un gros 3 mois facile où ils peuvent nous rappeler, revenir, puis on est quand même présent au dossier pendant 1 an. Donc, ce qui fait qu'on ne les abandonne pas. Et ça, pour eux, c'est important, le sentiment de la présence, du soutien, de la collaboration qu'on peut avoir avec eux. Vous êtes comme des anges gardiens de l'emploi. Un peu pour ces personnes. Ben, on pourrait dire ça de même, oui, oui. Parce que, tu sais, c'est vraiment un fil conducteur. Puis, tu sais, on le sait. Là, on va voir, là, avec l'après-COVID, comment ça va aller le marché du travail. Parce que, oui, mais on ne sait pas encore, là, tu sais, qu'est-ce que ça va avoir comme portrait, là. Mais si on prend toute la période avant qu'on était proche du plein emploi, bien, c'était facile de se trouver un emploi. Parce que les employeurs, mais le maintenir, c'est une autre chose. Puis nous, on travaille très fort avec la clientèle pour justement avoir un maintien. C'est important. C'est important pour la confiance, l'estime de soi, puis la sécurité. Tu sais, quand des gens là, sont moins sécures, ont peur, bien, si tu perds tes emplois à répétition, c'est pas bon pour la confiance puis l'estime de soi. Donc, on essaie justement d'aider les gens le plus possible à faire, comme je disais tout à l'heure, des bons matchs, le bon type d'emploi, le bon employeur, pour justement se maintenir et rester là, à long terme
dans un emploi. Les employeurs aiment ça, là, les employés là, qui sont capables de fidéliser. Et puis c'est aussi pratique pour, puis sécurisant pour l'employé là, de rester là quand même assez longtemps. Bonjour, Mme Côté. Bonjour. Ça va bien? Ben oui, ça va bien, oui. Vous? Ben oui, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Oui, quoi? Ben oui, j'ai envoyé mon CV qu'on avait fait ensemble et que vous m'avez donné beaucoup de conseils. Ouais. Et la compagnie m'a convoqué à passer une entrevue. Moi, t'as dit, je suis contente pour vous. Ah, moi aussi, je suis contente. Ben, il y en a fait, par exemple, qui m'a stressé beaucoup, c'est parce que, Mme Côté, j'ai jamais passé une entrevue. Okay. Et j'ai pas aucune expérience là-dedans. Mm. Est-ce que vous pouvez me donner quelques conseils? Bien, c'est sûr qu'on va pouvoir vous aider à vous préparer à l'entrevue. En plus, je veux juste vous rassurer en vous disant que la plupart des gens qui passent des entrevues, je pense 90 % des personnes qui passent une entrevue, sont stressées par l'entrevue, surtout quand ils veulent vraiment avoir l'emploi. Parlant d'employeurs, vous agissez parfois aussi auprès des entreprises. Quels sont les services que vous offrez pour des entreprises déjà établies? Bien, dans les entreprises déjà établies, c'est sûr que nous, on a toute la clientèle qu'on rencontre, ce sont des travailleurs potentiels pour eux. Alors, on travaille de ce côté-là. On a fait de la dotation. On a travaillé aussi auprès d'entreprises qui fermaient leurs portes. Donc, pas laisser les employés comme ça, les portes fermes, pas d'emploi. Alors, on faisait là, des démarches d'orientation, des bilans de compétences avec les employés de certaines entreprises qui fermaient. Des fois, c'était de la mise à pied. On soutenait les travailleurs qui avaient une mise à pied pour donner des rencontres de bilans de compétences, de techniques de recherche d'emploi, maintien en emploi. Donc, on offrait différentes choses. On offre aussi, plus à Québec, pour les entreprises, de la location de salles. Donc, quelqu'un qui disait, moi, je voudrais faire une journée de formation avec mes employés, mais je n'ai pas de grande salle pour faire venir le formateur, tout ça. Ils peuvent louer des salles chez nous. Donc, on offre quand même là, différents services aux entreprises. Donc, vous êtes une ressource pour aider des entreprises dans des grandes périodes de transition pour leurs employés. Oui, 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 aussi. Donc, puis tu sais, quelqu'un qui cherche la main-d'œuvre, on reçoit les 4 points de service ensemble, plus de 1000 clients par année. C'est autour de 1200, ça roule toujours entre 1200 et 1500 clients là, par année. Alors, tu sais, ce sont tous des travailleurs potentiels là, pour les entreprises. Donc, il y a plusieurs qui font encore affaire avec nous après bien des années pour nous dire, avez-vous des gens là, qui cherchent dans tel domaine? Nous, on cherche tout ça. Et c'est sûr qu'on met ces gens-là en contact. L'APE offre aussi des formations pour préparer les travailleurs à l'emploi. Comment ça fonctionne, vos formations? Parce que j'ai cru lire sur votre site Internet que vous êtes même en mesure de créer des formations sur mesure pour bien répondre aux besoins. Oui, bien, les formations sur mesure, c'est plus des formations, mettons qu'une entreprise là, veut qu'on aille former sur un thème X là, leur personnel. Ça, oui, on peut le faire. Nos formations sont vraiment déjà bien organisées et très précises, mais c'est des formations qui peuvent être de groupe, qui peuvent être individuelles. Donc, c'est ce qu'on appelle nos programmes. Donc, à ce moment-là, chaque programme est conçu en fonction des besoins de la clientèle qu'elle vise. Alors, c'est pour ça que les durées sont différentes, les thèmes sont différents, la clientèle sélectionnée sur ces services-là sont différentes parce que c'est en fonction du besoin de chaque clientèle. Donc, il y a des clientèles qui ont des besoins plus spécifiques, qui vont avoir besoin d'un soutien psychosocial. Oh, dans la formation, il va y avoir cette partie-là. Il y a des services pour la clientèle qui vont avoir besoin de faire de l'orientation, ils vont en avoir. D'autres, ça va être du bilan de compétences parce que c'est des travailleurs plus expérimentés. Alors, ça va être différent. D'autres vont avoir besoin de techniques de recherche d'emploi. D'autres vont avoir besoin de stages en entreprise. Alors, il va y avoir des stages. Donc, on y va selon le besoin de la clientèle qui est visée pour chacun des services. OK. Et finalement, vous vous êtes reviré sur un scène pendant la pandémie. Vous êtes demeuré disponible pour la clientèle. Est-ce que... Oui. Après la pandémie, vous allez continuer dans un format de télétravail, rencontre virtuelle, rencontre présentielle ou vous espérez peut-être un retour à la normale?
Mais c'est certain que, comme l'ensemble de la population, peu importe le service, on a hâte, tout le monde, à un retour à la normale. Cependant, actuellement, on est en mesure de faire du présentiel. Donc, les clients viennent sur place avec toutes les mesures d'hygiène et de sécurité qui s'imposent, c'est bien certain. Et on continue aussi à faire du virtuel, donc en visioconférence. Donc, les clients qui disent « moi, je préfère être en face-à-face », il n'y a pas de problème, on est capable de le faire. Et les gens qui disent « moi, ça m'insécurise plus de me présenter dans des bureaux », tout ça, il n'y a aucun problème. On continue d'y aller par plateforme virtuelle aussi. Donc, on fait les deux. À l'automne, qu'est-ce que ce sera? C'est sûr que nous, on est toujours collés au niveau des consignes sanitaires qui sortent régulièrement et on s'ajuste tout le temps à ça. Alors, la journée qu'on va recevoir comme consigne, comme tout le monde, qu'on peut revenir comme on était avant, on va reprendre à ce moment-là en présentiel à 100 %. Mais tant qu'on doit garder des règles de distanciation, alors on fait les deux. On fait du présentiel avec peu de gens parce qu'il faut être capable de tenir la distance là, du 2 mètres. Et sinon, on continue nos services par visioconférence qu'on n'a pas arrêté du tout. Là. À partir du moment où on a été confinés, nous, on est tombé en télétravail et les intervenants ont maintenu les services et qu'on a réajusté nos services, nos programmes pour pouvoir les faire à distance là, par ordinateur. Et la clientèle a été tout aussi bien desservie. C'est juste que quand on aime être en contact direct avec ça les gens, plus, hein? Ça manque. Hein? On peut pas être prêt. On a un écran là, qui nous sépare, on se voit moins bien, tout ça, c'est certain. On a vraiment bien accompagné les gens. On a accompagné les gens de la même façon, je dirais, qu'on le faisait en présentiel, mais l'élément d'accompagnement de plus qu'on devait avoir, c'est de les accompagner au niveau de l'utilisation des outils technologiques. Parce que c'est pas tout le monde qui a la même facilité, c'est pas tout le monde qui avait la même habitude d'utilisation. Et là, on a vraiment bien soutenu et encadré nos gens et c'est devenu très efficace rapidement, puis les gens ont été très satisfaits. Donc, ils ont pu avoir là, les services dans un délai raisonnable comme ils l'avaient quand on était à 100 % présentiel. Et ça va se continuer. Je dirais tant qu'on ne pourra pas faire 100 % présentiel comme on le faisait avant. On va faire les deux. On retient donc que vous êtes disponible malgré la pandémie. Madame oui, Nadine Gamache, coordonnatrice de l'APE à Donnacona, merci beaucoup. Bien, ça me fait plaisir. À la prochaine. À